La riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron ha portato in piazza milioni di persone da gennaio. Cosa significa questa riforma per la Francia, ma cosa significa per l'Europa? Ne parliamo su Euronews Witness. C'est très dur, surtout à mon âge. Parce qu'en principe, à mon âge, on ne devrait pas faire de la livraison. C'est fini pour le dos, c'est stressant, c'est fatigant, ça joue sur le moral. Chers collègues, Suédois ou en allemand, on va dire, mais ils travaillent jamais, ils sont en 35 heures, ils sont tout le temps en vacances. Et en fait, c'est cette densification du travail. C'est-à-dire qu'il y a certes moins d'années travaillées, moins de gens en emploi, et du coup, ceux qui travaillent, ils travaillent plus dur. Souvent, les aides-soignantes, elles sont en arrêt. Longue maladie, invalidité. Je ne sais pas si le gouvernement va être gagnant à nous prolonger de 2 ans l'âge de départ à la retraite pour les soignants.